Comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. Là vous le voyez, j'ai pris la voiture et je me suis rendu à l'école de Vlad et Nikki. Regardez, je me trouve actuellement devant l'école de Vlad et Nikki. Oui, 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 je suis venu équipé de mon drone. Oui, oui, oui les gars, vous le savez hein, il y a peu de temps, il y avait la rentrée scolaire. Du coup, ce qui veut dire que Vlad et Nikki sont retournés à l'école, mais apparemment ce seraient des très mauvais élèves. Okay. Je vous dis ça parce que apparemment bah, les Vlad et Nikki auraient séché les cours de l'école. Et oui, 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 ce sont littéralement des cancres. Oui, oui, vous avez très bien entendu les gars. Alors là, moi je vous dis, je suis venu vérifier ça. Je suis très bien équipé. Encore une fois les gars, j'ai la télécommande, j'ai le drone, j'ai tout ce qu'il faut. Et maintenant, je suis spécialement venu à l'heure où les élèves rentrent dans les classes pour bien voir si les Vlad et Nikki viennent sécher l'école ou pas. Je peux vous le dire que là, on va pas laisser passer ça les gars. Non, 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 non. Et ben ça y est les gars, je vous le dis, j'ai directement envoyé mon drone juste au-dessus de l'école de Vlad et Nikki. Je peux vous le dire que là, s'ils sèchent les cours aujourd'hui, on ira les dénoncer au directeur. Oui, oui. Bon, en attendant les gars, pensez juste à mettre le petit pouce bleu sur la vidéo, c'est trop important. Mais là, en tout cas, on peut observer que il n'y a aucun élève qui se trouve dans la cour de récréation. Ils sont tous normalement rentrés déjà dans les classes. Les exercices ont déjà commencé. Ouais, ouais, je prends le temps de bien surveiller. Et je crois que normalement, Vlad et Nikki ont cours de mathématiques. Alors, on va d'abord surveiller les classes de mathématiques, les gars. Ou alors, j'ai une idée plus tôt, on va se positionner juste devant l'école. Comme ça, eh bien, s'il y a des élèves qui tentent de s'enfuir de l'établissement scolaire, ils seront tout de suite repérés avec mon drone. Ouais, ok. Hey, regardez ça les gars, mais quoi? Je crois rêver. Mais quoi? Mais Vlad et Nikki. Et encore une fois, je pense qu'ils essayent de quitter l'établissement scolaire. Mais non, mais ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit. Ils viennent de quitter l'établissement scolaire sous nos yeux. Mais je le crois pas. Et en plus de ça, ils sont pas tout seuls les gars. On peut bien voir qu'il y a Vlad et Nikki. Et ils sont en compagnie de leur copine. Et... oh mais je sais les gars, je sais que c'est. Mais je reconnais les gars. Mais je crois bien que c'est Diana de la chaîne Diana et Romain. Oui. Mais en plus, je le sais, je le savais qu'en plus, c'est la copine de Vlad et Nikki. Mais oui, si je me trompe pas, normalement, ils sont dans la même école. Ah, ça y est, je l'ai bien reconnu. On l'a bien tous reconnu, les gars. Et alors, elle aussi, elle a décidé de fuguer de l'école. Oh mon Dieu, non. Oh là là, alors là, on en apprend de bonnes choses. Hein. Ouais, et tout cela est possible grâce au drone. Alors là, franchement, on va pas les lâcher. Croyez-moi, les gars, vous me connaissez, on va pas les lâcher. On va bien voir ce qu'ils ont prévu de faire au lieu d'aller étudier à l'école. Ah là 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 là. Et regardez-moi ces petits malins, les gars. Ils ont l'air d'avoir bien réussi leur coup, encore une fois. Ah bah, en tout cas, ça nous confirme bel et bien que Vlad et Nikki et Diana de la chaîne Diana Roma sèchent les cours de l'école. Alors là, si je vous dis qu'ils se font repérer par le directeur, alors là, ils sont foutus. Hein. Je peux vous le dire que là, ils seront finito. Et là, regardez, on peut bien voir qu'ils se dirigent directement au niveau des terrains sportifs. Là, ils sont juste à côté du terrain de tennis. Mais, ah ouais. Et les bah, regardez, ils font une petite partie de football, tranquillement. Alors, au lieu d'aller à l'école et au lieu d'étudier, et voilà ce qui se passe, les gars. Et voilà. Là, on voit bien tout l'envers du décor, les gars. Et oui, oui, oui. Et les gars, je compte sur vous. Écrasez-moi cette barre de pouces bleus. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas encore déjà fait. Je ne sais pas ce que vous attendez les gars, mais en tout cas grâce au drone on a encore une fois pu savoir ce que les Vlad et Nikki et Diana Roma font au lieu d'aller à l'école. Alors là, si le directeur le savait hein, je pense qu'il ferait moins les malins. Aïe. Ce sont de sacrés mauvais élèves les gars. Oui, je pense que ça vaut au moins 4 heures de colle. Ah oui, non mais là c'est grave, il faut le dire les gars, fuguer de l'école c'est grave. Bah oui, non mais en tout cas je suis pas du tout étonné. Je le sais que Vlad et Nikki détestent l'école. Et Diana Roma, je sais que elle, c'est encore pire. C'est encore pire, les gars. Mais attendez, en plus, les gars, je crois que Diana est tellement préoccupée à s'amuser au football et au basket que je crois qu'elle a même oublié son cartable d'école. Oui, eh ben oui, au terrain de foot, tout juste à côté du but. Oui, regardez, les gars. Et tiens. Pourquoi pas peut-être aller le récupérer? Ben ouais, ça serait intéressant. Je pense qu'on est tous curieux, les gars. On veut bien savoir ce qu'on peut y trouver dans le sac de Diana. Et ouais, bon, vous savez quoi? Je m'occupe de tout, les gars. Je vais vite fait aller récupérer le sac de Diana. Et on va découvrir tout ça ensemble. Allez, je prends la voiture. Let's go!
Les gars, j'ai le cartable de Diana Roma. Ouais, bon franchement, je suis bien trop curieux de savoir ce qu'on peut y trouver à l'intérieur, les gars. On va le découvrir ensemble. Mais oui, les gars. Oh, let's go. Je vais l'ouvrir. Allez, on ouvre la petite fermeture éclair. Attention. Oh, bah déjà, on peut y trouver des fournitures scolaires. Regardez, les gars, j'ai déjà les crayons de couleur. Bon, bah jusque-là, tout va bien, les gars. Oui, bon, on continue. Attendez, je crois que j'ai trouvé la trousse de Diana Roma. Alors attention, qu'est-ce qu'on peut y trouver là-dedans? Mais non, pas du tout. C'est plutôt la trousse de maquillage. Bah oui, les gars, regardez. Bah non, ça c'est du maquillage, les gars. Mais non. Bah ouais, regardez, il y a des pinceaux, il y a des produits. Ah non, ça c'est la trousse de maquillage, les gars. Ah ouais, non mais regardez, les gars, ça fait beaucoup de maquillage, tout ça. En tout cas, je ne suis pas sûr que d'apporter son maquillage à l'école, ce soit très très utile. Mais bon, d'accord, on continue, les gars, on continue. Je pense qu'on n'est pas encore au bout de notre surprise, hein. Oh bah attendez, regardez, la petite casquette de Diana Roma. Bon, bah voilà les gars. Ok, on continue. Alors là franchement je suis trop curieux. Alors attention, mais... une peluche? Mais pourquoi une peluche? Mais pourquoi est-ce qu'elle apporte sa peluche à l'école? Mais non. Oh, c'est trop mignon, les gars. Ouais, une petite peluche reine des neiges en plus. Bon, encore une fois, je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'apporter sa peluche à l'école. Mais en tout cas, c'est trop mignon. Voilà, c'est trop mignon, les gars. Non, sérieux. Quoi? Attendez. Un pop-it? Mais quoi? Diana Roma a apporté son pop-it à l'école. Oh, ce truc-là, c'est trop satisfaisant. Les gars, ça, je kiffe de fou. C'est trop satisfaisant, les pop-it. Attendez, attention. Oh bah il y a la brosse, regardez la petite brosse de Diana Roma. Ça je pense que ça lui permet de se coiffer à tout moment de la journée. C'est important, je pense que c'est important les gars. Surtout pour vous les filles. Oui. Allez bon bah on continue tranquillou les gars. Mais qu'est-ce que je viens d'y trouver là dans le cartable? Les gars c'est la poupée Diana Roma. C'est la véritable poupée Diana Roma, c'est sa propre poupée à elle. Alors là Diana, elle doit épater tous ses camarades. Non mais sérieux, elle a sa propre poupée les gars. Non mais franchement t'es là, t'es dans la cour de récréation et tu montres que t'as ta propre poupée à toi. Ça c'est la classe les gars, non mais sérieux quoi. En plus regardez, il y en a plusieurs à collectionner les gars. Il y a plusieurs poupées Diana à collectionner. Non c'est stylé, non désolé, c'est trop stylé quand même. Non mais bon, je vous le dis en tout cas, c'est pas terminé les gars. Attention peut-être que... attention les gars. J'ai enfin trouvé un cahier. Bah voilà quand même les gars. J'ai trouvé un cahier. Attendez, je vais l'ouvrir. Quoi? Mais non, c'est le cahier à dessin. Bah ouais, c'est pour faire des petits dessins les gars, regardez. Elle fait les dessins Vladeniki en plus. Incroyable. Eh ouais, regardez, c'est le petit cahier pour faire les petits dessins. Il y a que des dessins Vladeniki. Tiens. Eh ouais les gars, je vous assure là, j'ai retrouvé que les dessins Vladeniki et tout. Tiens, moi je trouve ça un petit peu suspect les gars. Non, je sais pas vous, mais peut-être que Diana Roma a quelques petits sentiments amoureux pour Vlad ou Niki. Bah oui, il y a que des dessins Vladeniki dans son cahier à dessins. Bon, on va rien dire. On fait comme si qu'on avait rien vu. Oui, c'est très bien. Regardez les gars. Elle a apporté la petite règle. Ça c'est important les gars pour aller à l'école. Et les petits crayons à papier aussi, regardez. Attendez, on va ouvrir aussi la petite poche. La petite poche secrète les gars, je veux l'ouvrir. Et voilà. Quoi? Oh, regardez ce que je sors de la petite poche les gars. Une poupée Barbie. Ah ouais, Diana Roma aussi aime beaucoup les poupées Barbie à ce que je vois les gars. Bah oui. Ah non mais franchement, en vrai de vrai, là le cartable de Diana Roma, y a rien qui va. Y a rien qui va du tout les gars. Elle n'a rien pour étudier à l'école. Mais par contre, elle a tout pour s'amuser. Ah oui. Et attendez, parce que je crois que c'est pas tout les gars. Mais... des bonbons. Des bonbons les gars, regardez. Il y a plein de paquets de bonbons. Il n'y a pas un paquet de bonbons, il n'y a pas deux paquets de bonbons. Mais je vais vous montrer, il y a trois paquets de bonbons les gars. Il y a même des Haribo Tagada et tout. C'est la folie. Là je le sais que Diana Roma avait carrément prévu de faire la tournée générale dans toute la classe. Là c'est bonbons à volonté les gars. Mais ouais, en plus ceux-là ils sont archi bons. C'est l'un de mes bonbons préférés. Une chose est sûre en tout cas, je le sais, c'est que Diana Roma, elle est très généreuse. Ça fait plaisir les gars. Il y en a toujours un ou une dans la classe qui apporte toujours les bonbons. Et franchement, gros cœur sur elle. Bah ouais, ça fait toujours plaisir les gars. Mais regardez les gars, elle a sa peluche, sa petite casquette, sa propre poupée personnalisée Diana Roma, la poupée Barbie, le pop-it, sa petite brosse pour se coiffer, sa trousse de maquillage. Non mais franchement les gars, honnêtement, pour aller à l'école, il n'y a pas forcément besoin de tout ça. Franchement, Diana Roma, c'est un phénomène. Clairement, c'est un gros phénomène les gars.
En tout cas, elle a tout l'air d'être une élève très populaire à l'école, les gars. Non, mais entre vous et moi, les gars, Diana Roma, c'est un phénomène. Les gars, moi, je peux vous le dire que je soupçonne fortement que Diana Roma est probablement peut-être amoureux de Vlad ou de Nikki. Moi, je suis une grosse commère, je suis trop curieux, je veux tout savoir de tout le monde. Et je vais enquêter sur Diana Roma pour les prochaines vidéos. Alors, restez bien connectés. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas encore déjà fait. Pensez aussi à me mettre un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les gars. Ça m'intéresse vraiment. Sans oublier de mettre le petit pouce bleu, ça c'est trop important. On se retrouve très prochainement pour des vidéos encore plus folles. Et ouais, allez, sur ce, c'était Robtech. Plein de gros bisous et ciao. Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les gars, c'est une vidéo super spéciale. Je me trouve aux abords du McDonald's. Et oui, regardez les gars, je suis venu jusqu'au McDonald's à l'heure de 3h du matin parce qu'il y aura apparemment les youtubeurs très célèbres Vlad et Nikki, mais qui se seraient venus se prendre un petit menu au McDonald's. Regardez, je me trouve au niveau de la terrasse du McDonald's et oh regardez là. Ah bah voilà, regardez, Vlad et Nikki, c'est les youtubeurs super populaires. Ils ont carrément été même invités par McDonald's. Non mais la classe, non mais les gars, sérieux, c'est incroyable. Et oui, bon, regardez devant la porte du McDo, il y a du Vlad et Nikki partout, même à l'entrée, même à côté du nouveau sandwich. C'est incroyable, c'est carrément incroyable. Franchement, je kiffe, mais là, moi, ce que je veux, c'est de les retrouver. Ouais, je veux les retrouver, moi. Alors attendez, on va regarder à l'intérieur du restaurant. Ah mais ouais, mais tout est rangé, tout est fermé. Attendez, on va ouvrir la porte du McDo. Oh, c'est fermé. Ah ouais, c'est fermé, les gars. Bah c'est pas étonnant, c'est parce qu'il est l'heure de 3h du matin, les gars. Mais c'est pas pour autant que je vais me décourager, mais oui. D'autant plus que je vous le dis que là, si on les retrouve là tout de suite maintenant, on pourrait véritablement retrouver la version Vlad et Nikki, mais démoniaque. Oui, bah oui, à l'heure de 3h du matin, Vlad et Nikki sont complètement possédés par toutes les entités démoniaques. Et bon, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouiller toute la terrasse du McDo à la recherche des grandes vedettes de YouTube. Ouais, alors attendez, on va chercher partout les gars. Regardez, c'est la terrasse avec tous les petits parasols comme ça. Attendez, c'est quoi ça? Oh, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Hé, Vlad, Nikki, j'ai trouvé l'œuf. J'ai trouvé un œuf, Vlad, Nikki. Regardez, non mais sérieux les gars, j'ai trouvé ça sous un parasol en pleine terrasse. Regardez ça, j'ai trouvé l'œuf super-héros des Vlad et Nikki. Mais c'est incroyable, c'est beaucoup trop incroyable là. Mais je pense que c'est un enfant qui l'aurait peut-être oublié là comme ça. Il était posé comme ça quoi. Attendez, mais bon. Eh ben vous savez quoi, on va le prendre avec moi. Je vais le prendre avec moi, en tout cas ça s'avère très intéressant. Et bon, on prend ça et on retourne jusqu'à la voiture. Allez, vite je retourne à la voiture. Allez hop, on ouvre la porte de la voiture. Et allez, on va découvrir tout ça ensemble. Oh, voilà maintenant, mais quoi, je me retrouve les gars. Mais oui, et on va l'ouvrir parce que il y a des trucs à l'intérieur. J'entends, il y a plein de trucs à l'intérieur. Moi je suis trop curieux. Moi je peux pas laisser passer ça les gars. Et regardez, il y a les deux frères. Là je crois que c'est Vlad et là c'est Nikki. Ils sont là, c'est là les deux frères les gars. Oh là, je vous le dis, on a fait une belle prise. Maintenant on va l'ouvrir, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous dis, c'est blindé de surprises là dedans. D'un côté je suis vachement surexcité, mais d'un autre côté, vu qu'il est l'heure de 3h du matin, je vais rester quand même très méfiant. Vas-y, je l'ouvre. Oui, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, les gars, allez. Mais je vous le dis, j'arrache tout. J'essaye de tout arracher, mais je sais même pas comment on l'ouvre. Je me contente de simplement tout arracher, hein. Voilà. Oh, ça y est. Oh, mais regardez. Mais ça se compose véritablement comme un œuf. Attendez, si je tire dessus comme ça. Oh, je l'ai ouvert. Ça y est, je l'ai ouvert. Oh, mais regardez, il y a plein de trucs. Ok, je pioche un truc au hasard. Au hasard. C'est quoi ça? Je suis trop curieux. Alors là, les trucs comme ça, je kiffe. Ah là, je kiffe de fou, les gars, je vous le dis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Yeah! Oh! Un pistolet à eau! Eh ouais, j'ai mon pistolet à eau, les gars! Attention! Ok, là, faut pas faire les malins, faut vite, mettre un pouce bleu, sinon je tire! Abonne-toi aussi! Ouais! Je rigole! Attends, mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais qu'est-ce qu'on a là-dedans, là? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Wow! Je vous jure, je kiffe de fou! Mais les gars, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Mais regardez ça! Oh, trop stylé! Oh, ça se met comme ça? Ça se met comme ça, les gars, autour, comme ça? Oh non, attends, je suis bête, ça se met de derrière, ça se met de par derrière, comme ça, les gars! Ouais, comme ça! Mais regardez, c'est une cape! C'est la cape de Vlad et Nikki, les gars, sur mon dos! Et là, maintenant, j'ai mon pistolet, j'ai ma cape! Oh, faites pas les malins! Ouais, faut vraiment s'abonner, là! En gros, regardez ce que j'ai trouvé! Oh, la dinguerie! Oh, là, c'est fou furieux, les gars! Attendez, je mets le masque!
je mets le masque comme ça. Alors là, ça y est, faut plus faire les malins. Ah là, non mais là, je vous le dis là. Là, les gars, j'ai mon masque, j'ai ma cape, et là, j'ai mon pistolet à eau, frère. Faites pas les malins. Ouais, non mais là, en fait, je suis Vlad, mais en mode super-héros. Ouais. Attendez, bon, je mets ça comme ça sur la tête. Eh, là, franchement, je suis stylé. Non mais les gars, entre vous et moi, je suis stylé ou pas? Non mais franchement, mais attends, mais il y a encore plein de trucs à découvrir. Et ça, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, gros? Mais pourquoi je galère à l'ouvrir? Mais pourquoi je galère à l'ouvrir? Mais oh, ok, c'est bon. Ok, qu'est-ce que c'est? Oh, mais qu'est-ce que c'est, les gars? Oh, les gars, c'est une figurine! Ouais, bon, c'est une sorte de grosse figurine en mode attaque. Mais bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse, moi. Il y a des bracelets en plus. Il y a un bracelet. Attendez, je mets mon bracelet Vlad et Nikki. Oh, regardez ça. Non, mais j'ai un flow incroyable. Non, mais les gars, j'ai ma petite cape, mon petit masque, mon bracelet. J'ai tout en Vlad et Nikki, là. C'est sérieux, les gars. Oh, je suis pas crédible. Oh, mon Dieu. Non, mais les gars, c'est... Oh. Il y a mon téléphone qui sonne là. Attendez, je vais trouver mon téléphone. Mon téléphone, il est où mon téléphone? Mon téléphone, je l'ai trouvé. Hé hey. Wow. Oh. Les gars, regardez. Mais quoi? Mais je reçois un appel de Vlad et Nikki là, tout de suite là. Pourquoi? Hé, hey, wow, je sais pas trop quoi en penser, mec. Attends, est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois pas répondre? Oh, ça m'a surpris là, comme ça d'un coup. Eh, vas-y, on répond. Vas-y, je vais répondre. Allô? Allô? Vlad? Nikki? C'est qui est-ce que j'ai au téléphone? Allô, c'est moi Vlad! Mais, et toi là? Rodé, tu n'aurais pas récupéré l'œuf super-héros à la terrasse du McDonald's par hasard? Le gros œuf orange super-héros là? Je sais pas, on sait pas du tout. Non, je sais pas, je vois pas du tout de quoi tu parles. T'es sûr, t'es vraiment sûr de toi? Parce qu'on en a véritablement besoin. Sinon, nous ne pouvons pas commencer notre toute nouvelle vidéo YouTube. Ouais, effectivement, c'est problématique. Mais du coup, ça veut dire que vous pouvez plus du tout continuer à faire vos vidéos là? Eh bien non, pour pouvoir commencer ma vidéo, j'ai besoin de mon masque, de ma cape et de mon pistolet. Alors là, je suis vachement confus pour vous, les frères. Mais franchement, je vous le dis encore, je me permettrai pas du tout, mais alors pas du tout, de vous empêcher de faire votre vidéo et encore moins de prendre tout votre matériel pour faire vos vidéos. Non. J'ai raccroché les gars, je vous le dis, j'ai carrément raccroché. Oh, je crois qu'en vrai les gars, on a fait une grosse bêtise. Non, en fait, j'avais pas du tout le droit de récupérer ce fameux œuf en super-héros des Vlad et Nikki. Mais ça leur servait pour faire leur prochaine vidéo. Je pense qu'ils étaient actuellement en train de préparer une vidéo aux abords du McDonald's. Et plus précisément au niveau de la terrasse là où on était tout à l'heure. Ok les gars, vous savez quoi? Je déplie mon drone les gars, on se dépêche. C'est qu'une question de temps les gars, je vous le dis, faut pas rigoler. Allez, ça y est, mon drone est prêt, ma télécommande est prête les gars, j'envoie le drone dans les airs et let's go. Allez bah ça y est les gars, j'ai pris le contrôle du drone et bah là je me trouve actuellement juste au-dessus du McDonald's. Oui, le fameux McDonald's où Vlad et Nikki auraient été invités. Et là je vous le dis, tout d'abord on va survoler tout le parking. Ouais, tout le parking les gars, on va tout scruter. Et je vous le dis, on va fouiller tout de fond en comble. Ah oui, on va rien laisser passer les gars. Alors là déjà niveau parking, on peut voir qu'il y a beaucoup de voitures stationnées, mais je trouve ça quand même étrange parce que pour un McDonald's qui est actuellement fermé, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde autour du McDo. Ça, je pense que c'est le phénomène Vlad et Nikki. Ça serait pas étonnant, les gars. Je pense que tout le monde veut les apercevoir. Je vous le dis, ce sont de vraies vedettes. Attendez, mais peut-être que quand je réfléchis, peut-être qu'ils ont été aussi invités par le KFC. Parce que oui, juste à côté de ce McDonald's, il y a un KFC, les gars. Et si je réfléchis un petit peu dans ma petite tête là, c'est bel et bien possible qu'on puisse les retrouver aussi aux abords du KFC. En tout cas, là encore une fois, on peut le remarquer, mais au niveau du parking, il y a encore de nombreuses voitures. Alors que les horaires du KFC sont dépassés les gars. Et oui, là c'est étrange, franchement je trouve ça très étrange. Mais moi, vous savez quoi, je vais rester simplement posté devant le KFC en espérant peut-être apercevoir l'une de ces vedettes. Mais oh, là. Attends, c'est... Mais je rêve ou c'est... Je suis pas fou, je les ai reconnus. On les voit bien, ils sont là les gars, on les a trouvés. Ils traînent au niveau du KFC, ça y est. Oui, on les a trouvés dans la vraie vie les gars. Alors là, c'est une chance incroyable ce qui se passe. Attends, ils sont passés où? Ils sont partis où les gars? Non, je veux pas les lâcher, je veux pas les perdre de vue, non. Attendez, bah du coup, laissez-moi le temps de faire tout le tour du KFC les gars. Oh, faut les retrouver. Attends, non. Et oui, je vous le dis, je vais me mettre carrément de l'autre côté du KFC. Oui, de l'autre côté carrément, je vous le dis. Ah ouais, j'ai plus rien à perdre. Là, regardez, là, ils sont là. Mais ouais, mais franchement, mais attendez, on peut le dire qu'à l'heure de 3h du matin les gars, ils sont vraiment très actifs. Puis attendez, c'est étonnant parce que je remarque que le KFC, lui, il est encore ouvert. Je crois qu'il reste ouvert toute la nuit. Et là, je pense que c'est à l'occasion de la visite de Vlad et Nikki. Mais ça, c'est sûr et certain, les gars. Ah, attendez, là, ils sont là, les gars. Mais
Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais franchement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que vous pensez qu'ils sont véritablement en train de préparer une vidéo? Et puis d'ailleurs, je pense que vous le savez les gars, mais Vlad et Nikki sont très très petits. Ça veut dire qu'on aura peut-être aussi l'occasion d'apercevoir leurs parents. Oh ça, ça serait une folie. Oh ça, ça serait incroyable les gars. Attendez, là cette fois, je vais placer le drone stratégiquement les gars. Oh là, on va plus les rater. Je vous le dis, on va plus les louper là. Attendez, mais regardez. Mais je crois qu'il est en train de tenir une caméra dans les mains et il est en train de filmer son frère. Regardez, regardez ça les gars. Vous le voyez en même temps que moi. Et ouais, ils sont carrément actuellement en train de faire le tournage d'une vidéo devant le KFC les gars. Alors je sais pas quel type de vidéo ils sont en train de faire. Ça nous fait une avant-première les gars. Ouais, bah ouais. Alors là je m'attendais à tout sauf à ça. Et ouais, ils sont véritablement en train de faire le tournage d'une vidéo YouTube en direct. Et ça franchement, heureusement que je suis toujours équipé du drone là. Bah parce que sinon on n'aurait jamais pu obtenir ce résultat. Et ouais, ouais, ouais. Mais ils font carrément une vidéo YouTube en plein dans le parking du KFC. En tout cas, je serais bien curieux de savoir quel type de vidéo ils sont en train de faire. Bon, en vrai de vrai les gars, c'est peut-être le moment de les laisser tranquilles un peu, non? On va les laisser faire leur petite vidéo. C'était très 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 mouvementé les gars. Et franchement, grâce au drone, ça nous a clairement permis d'apercevoir les deux frères, Vlad et Nikki, dans la vraie vie. Et ça, franchement, ça mérite plein de pouces bleus. Je compte sur vous. N'hésitez pas également à bien penser à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines autres vidéos au sujet de ces deux vedettes, les Vlad et Nikki. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Allez, ciao! Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment vraiment très très folle. Nous allons s'intéresser au beau et au grand et au fameux Bibi. Oui oui oui, on le connaît très très bien sur la chaîne YouTube. On a déjà eu affaire à lui à de nombreuses reprises les gars. Allez maintenant, laissez-moi vous présenter Bibi Baby. Eh oui oui, attendez, je mets le casque. On a clairement Baby Bibi au musée de Thomas le Train. C'est dingue les gars, non mais franchement c'est un truc de fou. Il était mignon Bibi hein, quand il était petit quand même hein. Ah ouais. En tout cas maintenant on le sait, bah, quand Bibi était enfant, il avait une très grande affection pour les petits trains. Et notamment pour le fameux Thomas le Train les gars. Bah oui, non mais là c'est un truc de fou quand même. Donc en tout cas je pense que vous l'avez très très bien compris, mais c'est une ancienne vidéo souvenir de Bibi quand il était enfant. Et là il est clairement en train de visiter le musée de Thomas le Train. Oh, et puis là on a Bibi qui s'offre un petit tour de manège. Mais pas n'importe lequel les gars, parce que oui oui, là c'est le manège Thomas le Train quand même. Attends, là il y a du très très haut niveau les gars. Non franchement je trouve ça trop stylé. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires les gars. En tout cas je ne le savais pas, mais entre Thomas le Train et Bibi, c'est une grande histoire d'amour les gars. En plus Bibi, même quand il était enfant, il avait déjà du style quoi. Non mais franchement. Bon maintenant entre guillemets, revenons à la réalité. Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous le savez très très bien, Thomas le Train possède une version démoniaque. Et oui, Thomas le Train.exe, on le connaît. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même avertir Bibi du danger que Thomas le Train peut avoir face à Bibi. Et là encore une fois, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur Thomas le Train.exe. Et là, je vous assure que ça fait un peu peur. Franchement, ça fait même très peur. Oh, regardez. Oh, non, non. Wow. Oh, oh. Oh, la dinguerie. Oh, vous êtes pas prêts les gars. Oh, oh. Wow, mais cette version démoniaque peut se transformer en une géante araignée. Je vous assure que là, ça fait vraiment flipper quoi. Oh, je crois que celle-là c'est la pire les gars. Attendez, mais... Oh, mais regardez ses pattes là comme ça. Oh, wow. Ah ouais d'accord, ça y est c'est terminé. Non mais les gars, il s'est fait dévorer. Voilà, il s'est fait dévorer. Et c'est ce qui peut arriver à Bibi. Enfin, on sait jamais les gars, donc faut faire attention quand même. En tout cas ce qu'il faut retenir, c'est que Thomas le Train, faut s'en méfier tu vois. Oh attends, il est où mon téléphone? Attendez, attendez les gars, il y a mon téléphone qui sonne non? Wow, mais c'est quoi le délire là les gars? Non mais attendez, regardez, c'est Bibi qui m'appelle. Ok, ça va, ça va. Je vais répondre. Bah oui, je vais répondre. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il nous veut là? Ah non. Allô? Bibi? Allô? Allô, mon père, c'est moi, Bibi. Je suis traumatisé de ce que j'ai pu découvrir sur Thomas le Train. C'est trop flippant. Désolé. Oh, ça va, désolé, Bibi. Non, mais en fait, je pense qu'il faut que tu fasses attention quand même. Non, mais Thomas le Train est imprévisible, ok? Il faut quand même, je pense, que tu sois averti, quoi. Non, mais. Oh, désolé de t'avoir brisé toute ton enfance, mais. Oui. Faut faire attention quoi. Mais moi j'étais fan de Thomas le Train. Bibi pleure. Mais pleure pas Bibi. Mais non, pleure pas. Bon Bibi, dans le fond, explique-moi vraiment ce qui se passe avec Thomas le Train. Le problème c'est que j'habite juste à côté de la gare de Thomas le Train. Attends, Bibi, c'est sérieux ou pas ça? Oui. Mais du coup, je peux
peur, j'ai trop trop peur. Ah ouais, d'accord, je comprends. Mais c'est quoi? T'habites vraiment juste à côté de la gare? Oui, oui, il y a une maison juste à côté de la gare. Oh, ok, ok, je comprends. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est vrai que ça doit être difficile tous les jours. Ok, ok. Non, mais Pipi, pleure pas. Mais non, pleure pas, Pipi. Non. Oh, mais Pipi, il a un cœur trop fragile, quoi. Oh, non, c'est pas possible. Bon, vous savez quoi, les gars, on va remettre le casque et on va continuer. Mais cette fois, voilà, pour essayer de réconforter un petit peu Blippi et pour se réconforter entre nous, on va se regarder une vidéo de Blippi. Bah voilà, ok, ça y est, là c'est du Blippi, les gars. Ça régale, on y va. Oh, stop. Oh, mais Blippi est très très moche là. Oh, désolé, ça m'a un peu perturbé. Ok. Oh. Attends, bah non, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il revient en arrière? Attends, qu'est-ce qui se passe sur cette vidéo? Wow, mais qu'est-ce qui se passe avec cette vidéo? Ah, c'est peut-être parce que c'est du Blippi, hein. Bon, on laisse le bénéfice du doute, mais attends. We need to shut the chains. Il y a des bugs, bah, c'est super malsain, quoi. Je sais pas, c'est... Non mais du coup qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo là? Attends, j'ai du mal à comprendre les gars. And then it shuts the door. C'est étrange. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mais les gars c'est malsain, je sais pas. Mais elle est folle cette vidéo de Blippi ou quoi? Ah je crois qu'on prend, je crois qu'il est en train de faire une partie de bricolage. Mais wow, calme-toi. Wow. Mais c'est Spooky, qu'est-ce qu'il te prend? Mais toi, qu'est-ce que tu fais en fait? Mais déjà que je suis en train de regarder une vidéo vraiment trop bizarre de Blippi. Et toi comme ça, tu me surprends. Mais pourquoi tu regardes du Blippi là déjà? Mais t'es fan de Blippi? Non, mais vas-y, mais me pose pas plus de questions, toi. Arrête. Oui, je suis fan de Blippi, oui. Attends, je vais continuer à regarder. Carrément. Regarde, on va regarder. Bah viens, regarde. Ok, vas-y, let's go. Ah là, tu vois, c'est Blippi le bricoleur, tu vois? Bah ouais. Ah ouais, il a tous les outils là. Il a tout ce qu'il faut. Ok. Je te mens pas, c'est un peu bizarre, c'est un peu chelou ce qui se passe. Bizarre là. Te pose pas de questions, te pose même pas la question. C'est du Blippi, c'est pour ça, c'est un peu. Voilà quoi. Bon, je pense qu'on en a assez vu du Blippi. Bon, Sim Spooky, faut que je t'explique en fait. Dis-toi qu'il y a un lien très rapproché entre Blippi et Thomas le train. Quoi, sérieux? Ouais. Thomas le train? Oui, c'est très sérieux. Il faut que tu saches que Blippi habite juste à côté de la gare de Thomas le train. Et ça c'est dingue. Hey, tu sais quoi, Sim Spooky, par rapport à tout ça, j'ai l'idée de prendre le drone et de survoler toute la gare Thomas le train. Et pourquoi pas aussi survoler l'habitation de Blippi? Bah oui, s'il habite juste à côté, on fait une pierre deux coups. C'est une bonne idée que t'as eu quand même, hein. Bon bah peut-être que tu sais ce qu'il nous reste à faire là. Ouais. On va s'équiper du drone. Oui. Et on va tout de suite survoler la zone là. T'es chaud ou quoi? Oui, les gars, vous savez quoi? On va directement se rendre à la gare et on va survoler la gare et la maison de Blippi. Allez, on y va, c'est parti. Ça y est les gars, on est sur place. Bah oui, on a pris la voiture et on s'est directement rendu jusqu'à la gare les gars. C'est exactement à cet endroit là où il y a Thomas le train. Mais alors là aujourd'hui ça change tout. Apparemment Blippi habite juste à côté de la gare. Ouah, non mais sérieux? Oui, juste à côté? Et oui, donc ça peut être vraiment très intéressant. En tout cas là encore une fois les gars, je suis équipé du drone. Parce que oui, on va survoler toute la gare. En tout cas là maintenant, perdons pas plus de temps. On va directement se mettre sur les traces de Thomas le train et de Blippi. Allez, c'est parti. Ok, allez, direction la gare les gars. Voilà, là on est en train de traverser toutes les voies ferrées. Allez, on se dirige jusqu'à la gare les gars. Et mine de rien, ça nous fait quand même pas mal de distance à survoler. Ah ouais, quand même hein. C'est loin, franchement c'est assez loin. Mais c'est pas un problème les gars, je vous assure. En tout cas les gars là, le but principal, c'est déjà dans un premier temps d'essayer d'apercevoir Thomas le train, ok? Ouais. Déjà si on voit Thomas le train, c'est déjà bien les gars. Ouais, ça serait bon signe quand même. Ouais. Bah attends, regarde, il y a une petite maison juste à côté des voies ferrées. C'est peut-être l'habitation de Blippi. Non, je sais pas trop. Je sais pas. En tout cas jusqu'à présent on a aucun moyen de le savoir. Mais on va continuer à survoler toute la gare. Et à un moment donné, de toute façon, on va bien savoir où est-ce que Blippi il habite, hein. Ouais, bah oui. Regarde, il y a la gare. Voilà. Là, il y a le grand bâtiment. Donc, c'est là où tous les voyageurs viennent poser les valises pour prendre le train. Hey, mais moi, peut-être là, j'ai une idée. Faudrait peut-être que tu te concentres un peu plus sur les voies ferrées qui sont abandonnées. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'ils pourraient apparaître à ce niveau-là. Ouais, bonne idée. Je sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais il y a des voies ferrées qui sont abandonnées. C'est exactement ce que Thomas le train utilise pour pouvoir se déplacer en toute discrétion. Il est intelligent. Ouais. On va se concentrer sur les voies ferré abandonné les gars, mais là du coup ça y est ouais, il vient de passer là. Ouais,
Ok. Ça y est les gars, en tout cas maintenant il n'y a plus aucun doute. Thomas le train est dans les parages. Mais maintenant la Robtech, la Blippi, il est où là dans tout ça là? Ah oui mais c'est vrai, n'oublions pas Blippi quand même. Alors si je me trompe pas, normalement il a une habitation juste à côté de la gare. C'est pour ça qu'il pourrait probablement y avoir un lien entre Thomas le train et Blippi. On va vérifier tout ça les gars. Mais regarde, il y a une grande maison qui m'a l'air complètement abandonnée. Mais ouais c'est clair, c'est peut-être la maison de Blippi non? Je sais pas, ça serait fou en tout cas. En tout cas elle est énorme hein. Ouais, c'est un grand manoir les gars. Attends, imagine Blippi il habite là-dedans. Bah c'est que c'est possible hein, tu devrais t'approcher peut-être non? Eh bah vous savez quoi, on va essayer de se concentrer sur ce manoir parce que c'est juste à côté de la gare, donc ça pourrait probablement être l'habitation de Blippi. Ah ouais c'est vrai que c'est une bonne idée là. Et à mon avis la Robtech là, ce manoir est complètement abandonné et il est même aussi hanté quoi. Wow, ok, là c'est fou. Là franchement si Blippi habite dans un manoir hanté, c'est vraiment que c'est un truc de fou quand même. Ouais. De toute façon à un moment donné si c'est vraiment la maison de Blippi, on va vite le savoir les gars, vous inquiétez pas. Avec le drone on peut rien rater de toute façon. Bah oui oui hein. Par contre c'est... Wow. Attends, regarde attends, là. Mais c'est qui là? C'est qui par la fenêtre? Attends, montre un peu. Je vais essayer de zoomer. Quoi? Non. Attends mais y'a quelqu'un? C'est Blippi. Mais... Je te jure, T'es sûr que c'est Blippi? Bah j'ai zoomé, mais oui, c'est Blippi. Je le reconnais, Blippi. Oui, j'ai reconnu ses lunettes orange. Hein. Attends. Là, regarde. Wow. je crois qu'il cherche le drone. Hein. Mais oui, je crois qu'il doit entendre le drone, mais il sait pas où est-ce qu'il est. Il a repéré quelque chose. Hein. Oui. Oh là là là. Oh là là. Il est où? Je le vois plus. Il a disparu. Je sais pas, il se cache. Ah, il est là. Il est réapparu. Ok, je crois qu'il cherche le drone. Maintenant, on n'a plus aucun doute. Hein. C'est le manoir hanté de Blippi. Mais c'est dingue. Et oui, donc en fait il habite juste à côté de la gare de Thomas le train. Ouais. Et il habite dans ce manoir abandonné. Mais en tout cas de là où il est, juste en regardant par la fenêtre, il a directement une visibilité sur toutes les voies ferrées hein. Ouais, et c'est donc clair. C'est possible qu'il puisse apercevoir Thomas le train passer assez souvent Blippi hein. Mais ouais. Et peut-être qu'il en a ras le bol de voir Thomas le train passer devant chez lui à chaque fois. Ça c'est possible, ça en tout cas c'est possible les gars. Ouais, en tout cas vous me connaissez très très bien, je pense que je peux rester des heures et des heures en train d'espionner Blippi. Franchement c'est passionnant les gars, je sais pas mais... Robtech, est-ce que tu te sens prêt pour pouvoir entrer dans le manoir comme ça avec le drone? Je veux carrément que je m'introduise dans le manoir avec le drone. Bah ouais comme ça on verra de plus près Blippi. Non t'es fou, c'est trop dangereux. Ah regarde. Oh, on l'a vu, il était devant la porte d'entrée là. Mais oui, il était devant chez lui là. Ah il est à la fenêtre, on le voit. Alors la question à savoir c'est est-ce qu'il est préoccupé par le drone ou bien par Thomas le train sur les voies ferrées? Je sais pas trop mais... Je crois qu'on a notre réponse là. Je crois qu'il se dirige vers les voies ferrées là en fait. Il a l'air d'aller directement vers les voies ferrées ouais. Ouais. Bah ça y est, j'ai compris les gars. Je crois bien qu'il est bien plus préoccupé par Thomas le train en fait hein. Ouais. Mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Il va oser aller sur les voies ferrées ou pas là? Je sais pas mais il est bien parti hein. Je crois qu'il est bien déterminé à aller sur les voies ferrées là. On va voir de toute façon ce qu'il compte faire. On va voir en tout cas. On va l'espionner les gars. Oui, on va l'espionner jusqu'au bout. Et de toute façon Blippi n'a aucune limite, ça m'étonnerait même pas que Blippi aille sur les voies ferrées quoi hein. Bah ouais, dites-vous que par moment Blippi est totalement fou. Mais là bah regarde. Bah voilà, qu'est-ce que je disais, il est déjà sur les voies ferrées. Ça y est. Blippi est à la recherche de Thomas le train là, c'est sûr hein. Ouais, à mon avis ça c'est très 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 probable. C'est moi qui fais la circulation des trains là. Ouais. Attends. Mais oh. Ouais. Oh non non. Oh. Non. Regarde, il y a Thomas. Wow. Il a failli l'écraser. Mais ouais c'est clair. Mais heureusement qu'il s'est décalé. Parce que sinon Blippi se serait fait écraser carrément. Mais ouais c'est clair, mais là il doit être en furie la Blippi hein. Oh là là, ça se voit. Non mais là je pense qu'il voulait carrément stopper Thomas le train, mais c'est trop dangereux. Bah ouais, là, il a failli se faire écraser. Bah il est passé à vive allure hein, quand même. Hein. Wow, franchement, il était à deux doigts de finir en crêpe Blippi, je te jure. Wow. Qu'est-ce qu'il fait là? Il cherche encore une fois Thomas le train, mais c'est pas possible. Ça va mal finir. Franchement, ça va mal finir. Ça va mal finir hein. Il a quand même tenté d'essayer d'arrêter Thomas le train hein, quoi. Mais ouais hein. Wow. Il en a du courage quand même. Ouais, c'est clair. Hein. Franchement, il est courageux. Franchement, je tire mon chapeau les gars. Blippi est courageux quand même. Ouais, il s'arrête pas les gars. Là, il veut pas lâcher, il continue. Regarde. Non, mais wow. il arrive. Oh non. Blippi, dégage-toi. Vite. Non. Wow.
Mais encore une fois, il a failli se faire écraser. Oh non, mais il est fou ce Bibi, hein. Oh là là, ça va mal finir, wesh. Il est passé à une vitesse phénoménale, les gars. Attends, mais t'as vu, il lui court après à fond là. Mais qu'est-ce qu'il fait encore, Bibi? Mais quoi, il essaye de rattraper le train. Mais il a aucune chance. Il est trop rapide, mais aucune chance. C'est peine perdue, hein, je crois. Eh, je sais pas à quoi il joue Bleepy, mais là je crois bien que Bleepy est en colère. Hein. Ouais. Il a carrément envie de se confronter face à Thomas le train. Il est courageux. Ouais, franchement, il est vraiment courageux. Hein. Mais moi, honnêtement, les gars, je serais à la place de Bleepy, je serais déjà parti en courant. Hein. Mais ouais, c'est clair. Hein. Mais je serais terrifié, quoi. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Regarde. Il y a Thomas. Voilà, il y a Thomas qui passe. Regarde, il le pointe du doigt. Il peut rien faire de toute façon. De toute façon, ouais, face à Thomas le train, il peut rien faire, quoi. Non, c'est trop dangereux, les gars. Franchement, c'est trop dangereux. En tout cas, là maintenant, ça se voit. Hein. Entre Thomas le train et Bleepy, c'est pas la joie. Hein. Mais ouais, c'est clair. En tout cas, on a bien vu Bleepy montrer son mécontentement par rapport à Thomas le train. Il a pris beaucoup de risques, hein, quand même. Hein. En tout cas, si vous voulez qu'on continue à survoler la gare de Thomas le train et qu'on essaie de percer tous les mystères à propos de Thomas le train et de Bleepy, mettez un maximum de pouces bleus. Je compte sur vous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas encore déjà fait. En plus, ça vous permettra de ne rater aucune des prochaines vidéos au sujet de Bleepy et Thomas le train. En tout cas, Bleepy a eu beaucoup de chance, il a failli finir en crêpe aujourd'hui, hein. C'est vrai, les gars, il a quand même failli se faire écraser par Thomas le train là sous nos yeux, les gars. Alerte, alerte, les gars, l'heure est grave. En ce moment, c'est le grand retour de Thomas le train pour l'exer. Et oui, vous m'avez très bien entendu là. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi je veux parler, je vous explique, c'est simple, il existe deux versions de Thomas le train. Il y a la version de base, Thomas le train normal, et il y a la version démoniaque qui s'appelle Thomas le train.exe. Et cette version démoniaque de Thomas le train peut se métamorphoser en une géante araignée avec de très longues pattes toutes poilues. Et oui, ça fout la chair de poule, les gars. Franchement, ça fait un peu flipper ces pattes toutes poilues là. Franchement, oh, c'est dégoûtant. En tout cas, cette version démoniaque de Thomas le train terrifie le monde entier, les gars. Non, mais franchement, il a une apparence vraiment terrifiante. Et je pense que même toi, Sim Spooky, tu dois en faire des cauchemars la nuit, hein. Je me trompe? Mais non, pas du tout. Moi, je suis courageux, je suis un bonhomme, hein. T'inquiète pas, moi, je fais pas de cauchemars. D'accord. Attends, t'es sûr que t'as pas peur? Et si je te dis qu'aujourd'hui, je prévois d'essayer de m'approcher de Thomas le train.exe? Et oui, j'ai prévu de faire une partie de drone et on va essayer de le capturer avec la caméra du drone. Alors, comment tu te sens là maintenant? Non, mais t'es sûr là? C'était pas prévu là tout ça. Bon, moi, tu sais quoi, j'ai d'autres trucs à faire à tout à l'heure. Non, Sim Spooky. Reste là. Hein. Allez, sois gentil, moi, Thomas le train.exe. Je te l'avoue, ça me fait vraiment trop flipper, hein. Maintenant, tu fais moins ton malin, Sim Spooky. Bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. En tout cas, nous, on va pas perdre plus de temps. On va directement s'équiper du drone, se rendre jusqu'à la voiture. Mais avant ça, les gars, je compte sur vous. N'hésitez pas quand même à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça nous soutient dans toutes nos aventures. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas encore déjà fait. Et pensez bien à activer la petite cloche des notifications. Et allez, sur ce, je vous embête pas plus longtemps et on se retrouve directement en voiture. Allez, let's go! Eh ben ça y est, on est prêt, on est en voiture, les gars. Allez, Sim Spooky, t'es prêt ou quoi là? Mais ouais, moi je suis vraiment trop chaud là, tu vois. J'ai déjà la télécommande en main, je viens de faire les réglages. Là, on est fin prêt, hein. Ok, là j'aime bien ce que tu proposes, Sim Spooky. Maintenant, croyez-moi, les gars, on va faire notre maximum pour retrouver Thomas le train, hein. Attends, non, c'est pas Thomas le train normal, hein. C'est Thomas le train.exe, hein. Donc il va falloir vraiment faire attention, ok. Oui. Précision très importante, c'est vrai que nous avons affaire à Thomas le train.exe. Oh, attendez. Mais il y a un petit train qui passe, regardez, il y a un train. Wow, il y a un petit train, les gars. Wow. Eh bon, allez, moi je propose directement qu'on fasse décoller le drone. À mon avis, ça sent le Thomas le train.exe dans les parages, hein. Le drone est paré au décollage, c'est parti, let's go, les gars. Ok. Oh bah, attends, Sim Spooky. Retourne-toi, fais coucou au drone. Coucou. Vas-y, reprends la caméra, s'il te plaît. Et moi, je vais directement prendre le contrôle du drone. Voilà, on voit la voiture, et juste à côté, regardez, on est tout juste à côté des voies ferrées, les gars. Oui. Et tu sais quoi, Sim Spooky, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement survoler les ponts. Oui, on est juste à côté, vous allez voir, c'est stylé.
franchement, vous allez pas être déçus. Alors, oh, regarde en plus, on y est et il y a un bateau qui passe. Mais oui, c'est les gros bateaux de livraison, les gars. C'est stylé, franchement. Et là, on a de la chance quand même. Au moment où on envoie le drone, il y a le gros bateau qui passe sous les ponts. Mais attends, mais Robtech, là, arrête un peu, hein. On s'en fout des bateaux, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est au moins le train.exe, ok? Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est les voies ferrées. Allez, donne-moi cette télécommande. C'est vrai que moi, je m'intéresse aux bateaux alors qu'en fait, c'est pas du tout le sujet principal de la vidéo. Bon, allez, c'est pas grave. Vas-y, Sim Spooky, je te laisse faire le boulot. Hey, non, mais là, tu sais quoi, Robtech? J'ai trouvé un coin beaucoup plus intéressant. En fait, c'est le pont à côté de la gare. Et il y a beaucoup plus de choses à voir, en fait. Ouais, hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Vous savez quoi, les gars? On va essayer de se concentrer. Alors, attends, fais voir. Là, tu vois. Ah ouais, c'est stylé. Le pont est vraiment stylé, quand Est-ce même. Est-ce que hein tu peux essayer de passer en dessous pour voir? Ah, là, je te dis. En fait, non, c'est risqué. C'est trop risqué. Non, le fais pas. Ça va être compliqué. Ça hein va être compliqué. C'est dangereux. Surtout que c'est dangereux. Là, t'es juste en dessous de l'eau. S'il y a un problème, c'est plouf. C'est terminé, les gars. Il y a plus de drone. Hein. Ah bah, alors, ouais, c'est clair. Fais attention, attends, ok attends. C'est quoi, je m'approche, mais prudemment quand même. Hein. Ok. En tout cas, ce qui est vraiment, vraiment intéressant avec le drone, c'est qu'on peut vraiment inspecter tout ce qu'on veut. Et dis-toi qu'on pourrait aussi retrouver des pièces mécaniques de Thomas le train. S'il est peut-être passé par là, c'est possible, hein, en mais vrai. Attends, mais là, Robtech, là, je sens des vibrations, quelque chose qui arrive là. Ah ouais? À mon avis, ça doit être Thomas le train qui arrive, peut-être. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Regarde, hein. Attends, là, j'ai bien le visuel. Oh, attends. Ah bah non. Eh bah non, en fait, c'est pas du tout Thomas le train. C'est un train banal, quoi. Non, mais tu t'es enflammé là. Mais non, attends, fais voir. Regarde. Bah non, c'est pas du tout Thomas le train, ça. Non. Mais wow. Mais il est très long. Il y a combien de wagons là? Est-ce que t'es capable de compter combien il y a de wagons là? Ah là, mon avis. Ah bah non, c'est trop dur. Là, je peux pas compter. Il était vraiment, vraiment très grand. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de wagons. Hein. Bon, en tout cas, là, toujours aucune trace de Thomas le train. Mais on garde espoir. On reste concentré et on reste motivé. Ok, Sim Spooky? Ouais, ok. Allez. Bah, essaye. Pas qu'on lâche. Hein. Ouais, faut garder patience, les gars. À un moment donné, ça va payer. On y croit, les gars. À un moment donné, on devrait bien l'apercevoir, ce Thomas le train. Et hein. Oui. Et alors, Sim Spooky, est-ce que tu vois quelque chose? Qu'est-ce qui se passe là? Bah là, tu vois, je suis en train de quadriller toute la zone. Là, c'est un peu compliqué. Hein. Je vois pas grand-chose là. Hein. Oh, Sim Spooky, à mon avis, tu dois être aveugle. Allez, donne-moi un peu la télécommande. Moi, je vais piloter le drone. Oh oui, je vais prendre les commandes, les gars. Allez, on prend les commandes. Et là, oh, attends, il y a un train là. Encore une fois, c'est pas Thomas le train.exe, mais c'est stylé. Non, c'est, il y a un train, il y a un petit train qui passe. Ok, bon. En tout cas, on peut dire qu'il y a beaucoup de trafic. Hein. Attends, Sim Spooky, j'ai une idée. Pourquoi pas essayer de passer sous les ponts? Mais oui. Regarde, j'ai une idée. Mais tu vas voir, tu vas comprendre. Tu vois, juste à côté, il y a un pont, mais cette fois, c'est les voitures, c'est pas les trains, c'est les voitures. Je vais passer en dessous, mais cette fois, je vais faire le tour pour pouvoir directement aller au niveau des voies ferrées. Mais tu verras, tu vas comprendre. Regarde. Attends, par contre, faut faire attention. Là, c'est risqué. C'est une manœuvre très risquée. Mais je me sens capable. Franchement, je m'en sens capable. On va essayer juste d'être vraiment très attentif. Faudrait vraiment pas faire d'accident parce que là, vous le savez. Hein, sinon, c'est dans l'eau et c'est terminé. Hein. Allez, on se l'allume entre les arbres, entre les branches. Et là, ça y est, on y est, les gars. Oh, franchement, je suis fier de moi. Je suis un très bon pilote, les gars. J'ai réussi. Et là, regardez, on est juste en dessous du pont. Oui, on est juste en dessous du pont. Et là, on va un petit peu monter l'altitude pour voir. Oh, attends, qu'est-ce qu'on entend là? Ah, je crois que c'est l'approche d'un train, ça. Oui. Ça, c'est l'approche d'un train. À mon avis, c'est sûr. Quoi? Non, mais. Quoi? Y'a quoi? Je l'ai vu! Je te jure, je l'ai vu! Mais attends, mais t'es sûr? J'ai vu Thomas le train! Il est passé comme ça, là, juste devant moi! Je te jure que c'est pas une blague! Ah non, mais t'es sûr de toi? C'était le train bleu, là? Oui! Attends, vas-y, file-moi cette télécommande, là! Attends, mais non, mais là, tu te gourres complètement, Robtech! Hein. Non! Quoi? Mais c'est pas Thomas le train, hein! Mais quoi? On pourrait y croire, mais non, c'est pas lui en fait. Hein. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais regarde, c'est pas Thomas le train, ça. Mais non, mais je te parle pas de ce train là, moi. Ça c'est un autre. Mais juste avant, j'ai vu Thomas le train passer. Je te jure que c'est pas une blague. Tu verras, de toute façon, tu verras à la vidéo. Mais écoute, je sais que ce train là est bleu, qui ressemble un peu à Thomas le train, mais cette fois-ci, c'est pas lui, quoi. Mais j'entends t'expliquer que je te parle pas de ce train là, je te parle du train qui est passé juste avant en fait. Bon, Sim Spooky, je crois que tu veux pas trop me croire, je t'en veux pas, c'est pas grave. C'est quoi, je vais monter un peu plus l'altitude et cette fois, je pense qu'on va se diriger en gare. Oui, parce qu'à mon avis, Thomas le train est... Oh, mais... Mais c'est un wagon, ça. C'était quoi, mais ça? Ouais. Mais là, non, mais là, cette fois-ci, là, je te crois, là. T'as hein vu? Bah, là, les gars, il y avait le wagon de Thomas le train qui vient de passer. Mais il portait de la marchandise, en plus, t'as vu ça? Oui, il y avait beaucoup de marchandises, là. Hein. Bon, bah, moi, je reprends les commandes et je propose qu'on aille directement au niveau de la gare parce qu'il allait dans cette direction. Oui, ça, c'est vrai, ça. Hein. Et à mon avis, il y a possibilité qu'on voit Thomas le train à la gare. Vas-y. Ça y est, on est arrivé. Déjà? Regarde. Ah ouais, t'es rapide, hein, Sim Spooky. Et nous sommes rentrés en gare, la Robtech.
Ah ouais, bienvenue, bienvenue à vous les gars. Là, on est bel et bien arrivé en gare. Et là, waouh, ah oui, oui, oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes de train. Mais regarde par contre, combien y a-t-il de voies ferrées là? Mais il y en a beaucoup trop. Mais il y en a énormément là, hein. Je sais même pas où surveiller quoi, les gars, je te jure. À mon avis, Thomas, le train.exe, il doit être dans les parages, hein, je le sens. Il doit pas être très, très, très loin, les gars. De toute façon, là, on a suivi ses traces. Donc là, à mon avis, il doit pas être très, très loin. Ce que je veux dire par là, c'est que. Attends, je sais pas si tu remarques, mais. Mais quoi, quoi? J'ai l'impression qu'il y a des voies ferrées qui sont complètement abandonnées. C'est peut-être les voies spéciales de Thomas le train.exe, non? Mais oui! Bah, j'avoue que ça peut porter à confusion, hein. Mais bah oui, à mon avis, il doit utiliser les rails abandonnés, lui, hein. Oui, oui, oui. Bon, bah, tu sais quoi, moi, je vais baisser un peu l'altitude. Ouais. Je vais me mettre au niveau des rails. Oh oh quoi? Mais. Eh, je l'ai vu! Hein? Je l'ai vu! Sérieux? Je l'ai vu de profil! Attends, mais regarde, regarde, regarde là! Attendez, laisse-moi je l'ai regarder. Vu passer, j'en suis sûr! Il est passé? Mais de quel côté? Mais oui, je l'ai vu au niveau des voies ferrées abandonnées, j'en suis sûr! Ah bah tu vois, je le savais! Moi je le savais que Thomas le train utilisait spécialement les voies ferrées qui sont complètement abandonnées, qui sont plus du tout entretenues, tu vois! Mais pour le coup, t'avais raison, t'avais visé juste, hein! Ok, bah tu sais quoi, maintenant qu'on a cette information très très précise, on va spécialement surveiller ces voies ferrées là, ok? Tu sais quoi, je vais baisser gravement mon altitude là, on y verra plus clair, hein. Ouais, bonne idée, bonne idée. Ok, ok, à mon avis. Attends, fais voir, fais voir. Regarde, regarde là. Là, on y est proche, hein. Ah, ouais. Là, regarde. Bah, tu vois, ils sont complètement abandonnés, ces voies ferrées là. Hein. Donc, oui, c'est spécialement ce que Thomas le train utilise pour se déplacer en toute discrétion. Il est malin. Franchement, c'est vrai qu'il est malin, celui-là. Il est très, 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 très intelligent. Mais d'ailleurs, nous, avec le drone, va falloir se montrer prudent parce que c'est pas forcément ce qui peut se passer. Bon, bah, pendant que Sim Spooky gère la situation, je vais dès à présent vous montrer la version démoniaque de Thomas le train.exe. Vous allez voir, il a un aspect vraiment, vraiment, vraiment terrifiant, les gars. Je veux vous montrer ça, ça me tient à cœur. Et accrochez-vous bien parce que ça fait flipper, oui, oui. Et hop, et voilà, je vous affiche directement ça à l'écran. Et ça fait flipper, les gars. Oui, oui, oui. On peut voir que Thomas le train se métamorphose comme une énorme araignée, un géant mille pattes. Et ça fout des frissons dans le dos, là, je vous mens pas, ça fait flipper, hein. Bon, Sim Spooky, c'est pas contre toi, mais là, je vais devoir récupérer les commandes. Ça commence à devenir un petit peu dangereux, tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on le sait très, très bien. On doit sûrement avoir Thomas le train.exe dans les parages. On est actuellement au beau milieu de la gare, les gars. Et là, va falloir vraiment, vraiment être très, très attentif. Et. Oh! Attends! Attends, attends, attends! Oh! J'ai pas rêvé! Attends, attends, attends! Je l'ai vu passer! Sim Spooky! J'ai cru voir passer Thomas le train, mais en fin de compte, je suis pas sûr. Il est passé tellement vite, il est tellement rapide que. Waouh! Attends, attends, attends. Bon, je vais essayer de le suivre. Je vais essayer de le suivre. Oh purée, je vous jure, il est passé à une vitesse. Je crois qu'il est même passé à 200 km à l'heure. Hein. Ça, c'est sûr. Attends, attends, attends. Bon, continuons à rester concentrés parce que là, je crois que. Là, je l'ai vu. Là, je t'ai vu, hein. Waouh! Là, je l'ai bien, bien vu, Sim Spooky, je te jure. Non, mais là, ça commence à devenir intriguant, là, hein. Il fait que de faire des allers-retours ou quoi? À mon avis, il cherche quelque chose. Il cherche sa proie. Donc, fais attention avec le drone, ok? Ouais, là, je vais faire très, 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 très attention. Ça commence vraiment, vraiment, vraiment à devenir flippant là. Je sais pas, mais ça craint. Franchement, ça craint. J'aimerais surtout pas le voir quand il est en colère et quand il se métamorphose en mille pattes là. Je te jure, j'ai envie de voir ça donc. J'avoue que c'est vraiment terrifiant quand il se transforme comme ça. Hein. Il est très, 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 très rapide, les gars. C'est ça le truc en fait. C'est que. Et. Oh, attends. Ah, bah non, bah, ça va. C'est pas Thomas le train, mais c'est stylé. Je trouve ça quand même déjà stylé. Ouais, j'avoue que c'est stylé. Hein. Ouais, il est rapide. Hein. Celui-là est très, très rapide aussi. Hein. Mais non, je pense qu'il est pas plus rapide que Thomas le train. Hein. Ouais, t'as raison. Franchement, il n'y a pas plus rapide que Thomas le train. Attends, attends, c'est quoi? Ah, attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, 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 Sim Spooky, il y a un problème là. Attends, attends, oh, mais c'est quoi le problème là? Il y a un problème là. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai plus le contrôle du drone. Mais, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, tu vas pas le croire. Non, quoi, non, pourquoi? Non, Sim Spooky, c'est la catastrophe. J'ai plus aucun contrôle, j'ai plus de signal, j'ai plus rien. Regarde, ça y est, c'est terminé. Oh non, mais comment t'as fait? Mais les gars, je vous assure, j'avais plus aucun contrôle du drone. Et c'est là que Thomas le train m'a foncé dedans, quoi. Mais ça y est, je crois que pour le drone, c'est foutu, on l'a perdu. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut faire, mais. Hey, RobTech, laisse-moi faire, je vais essayer de reconnecter le drone pour pouvoir reprendre les commandes, quoi. Hein. Ouais, mais à mon. Oh là, c'est fichu, RobTech, hein. Ah bah ouais, bah allez, les gars, Thomas le train complètement détruit le drone. Je pense qu'il est arrivé à une vitesse.
quitté, parce que je pouvais plus rien faire. Je te jure, je pouvais plus rien faire, les gars. Mais en tout cas, là, je crois que c'est clairement le pire des scénarios. Regardez, c'est affiché no signal. Donc ça y est, à mon avis, le drone est complètement décapité. Inutile d'aller essayer d'aller le rechercher, je pense. Je pense que là, c'est foutu. Je pense que là, c'est vraiment, vraiment foutu. À mon avis, il est dans l'estomac de Thomas le Train. Il est en train d'être en digestion, là, je pense. Oh non, non, me dis pas ça, Sim Spooky, là, franchement. On a plus le drone, les gars. On a perdu le drone. Bon, bah maintenant, on peut plus rien faire. Je crois bien que c'était maintenant la fin de cette vidéo. Si vous avez des solutions, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire directement en commentaire. Mais là, je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire. Non, mais le Robtech, là, le problème, c'est que t'as trop pris la confiance. Tu t'es trop approché des voies ferrées. Et là, bah, Thomas le Train, il n'a pas hésité. Boum, quoi. Ah ouais, mais non, mais moi, je voulais essayer de capturer Thomas le Train le plus près possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, ah bah là... c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant un petit pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à nos différentes chaînes YouTube. Tout va s'afficher à l'écran et tout est en description. On compte sur vous. Allez, sur ce, on vous fait plein de gros bisous. C'était moi-même et Sim Spooky. Allez, ciao.